Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim. Aujourd'hui on se retrouve pour Animal Crossing. Happy Home... Ah non, Amiibo Festival. Tout le monde se souviendra du majestueux Nintendo. Du début de Animal Crossing, souvent, il n'y en a pas là, mais c'est dommage. Et alors là, c'est mettez un Amiibo sur le pad. Du coup, mais heureusement, il y en a deux qui sont fournis, donc on n'a pas besoin d'acheter en plus. Même si on a acheté tous les autres. Je pose Max. Et Max arrive dans le train. Bonjour Max. Bonjour, tu vas bien Max. Comment vas-tu? Bienvenue à Animal Crossing Amiibo Festival. Tu es ici à l'entrée du festival. D'ici, tu peux te rendre dans la ville où se déroule le jeu du bonheur. Bien, tout d'abord, choisis le nom de joueur qui seront les participants. Deux joueurs. Tu peux mettre ton Amiibo. Moi, je veux être lui. Voilà. Confirmé. Je confirme. Et toi, tu peux mettre. Ah ouais. Sinon, attends, on n'est pas obligé. Sinon, on a un petit truc qui permet de mettre un garçon A, garçon B, garçon C. Ah bah ça, c'est si t'as pas d'amiibo. Si on n'a pas d'amiibo, on peut mettre des personnages. Ouais. Donc c'est très très bien. Ah bah ils ont prévu mais ça. Par exemple, regardez. Non mais je montre juste. Tu peux mettre ça ou si j'ai envie, il y a beaucoup de choix. Il y a au moins 10 personnages différents. Donc ça permet de ne pas acheter l'amiibo. Et Kim, nous on va jouer avec les amiibo puisque c'est Marie le principe. Donc ça va être Marie et Max oui. dans cette première partie. C'est parti. On va jouer avec ces deux-là. Et on va voir à quoi ressemble le jeu. Je pense pas que ce soit similaire à Mario Party 10. C'est moi qui commence. Je pense pas que ce soit similaire à Mario Party 10. Bah on verra bien. Ça n'a pas trop d'intérêt, mais je pense que ça va être un jeu plateau assez marrant. Oui. On va nous expliquer le but. Le but du jeu. Le but du... But de lutte. Alors, bonjour, du coup, tu vas bien? Allez, viens, on va sur des plateaux. On se retrouve. Oh, c'est comment il s'appelle? Miro, et lui c'est Mirza. Et là c'est Rosa. Rosa. Et c'est ceux qu'on a eu en carte. Oui. Coucou, je suis absolument ravi de vous voir parmi vous. Nous avons préparé un jeu de plateau grandeur nature dans notre belle ville. Ouah. Je m'appelle Mirza, j'habite ici, c'est moi qui ai désigné pour ce jeu. D'abord, je vais vous expliquer les règles de base. Comme vous pouvez le voir, les cases ont été disposées tout au long du chemin de la ville. Les cases chance sont roses et les cases malchance sont violettes. Essayez d'atteindre les cases roses pour obtenir clochette et point bonheur. Waf. D'accord. Attends, c'était d'accord ou ok? Ouais. Le joueur qui a le plus de points de bonheur remporte la partie. N'ignorez pas les clochettes, pour autant, elles sont converties en points de bonheur à la fin de la partie. D'accord, donc celui qui a plus de fric est le plus heureux. Pourtant, l'argent ne fait pas le bonheur. Ouh, j'allais oublier, j'ai mis à disposition une carte de la ville. Oh, c'est grand, c'est super grand. Des giroïdes ont été placés aux quatre coins de la ville, ils vous le donneront chacun un tampon. Ah, d'accord, donc si on a les 4 tampons, on a des points de bonheur en plus. Ouais. Eh bien, je crois qu'il est temps de commencer. Ah, je voudrais aussi vous faire remarquer dans ce jeu, un tour correspond à un jour. Cela signifie que la partie est terminée à la fin du mois. What? Ouais, on va mettre une limite de temps. Parce que... 45 minutes, c'est un peu long, non? Oui, un peu. Bah 30, c'est bien. On va essayer de faire une vidéo de 30 minutes. Ok. Mais du coup, c'est toujours la même carte? Ouais, je crois. Enfin, on verra après, mais... Ah, on est... Ah, c'est comme la bonne paye. Ouais. Au tour de Marie, oui. Donc c'est à toi. Touche ta figurine avec le... avec l'amiibo. Faut que tu mettes ta figurine. Ah, vous voyez pas le pad, c'est dommage. Bon, c'est pas très important le pad, je pense. Comment je fais? T'enlèves. Et... Ah, ça lance le dé? Oui. Oui, 6. Donc on voit que Kim a 2000 clochettes. Et là, tu choisis ta direction. C'est ma direction. Donc dans ce sens-là, tu vois, elle pense... Donc c'est-à-dire que tu as tombé sur une cage chance, normalement. Ah oui, d'accord. Donc là, dans un sens-là, je tombe sur une cage clochette, et dans ce sens-là, machin. Bah... Ouais. T'as dû prendre les clochettes, moi, je dis. Oh, bah, y a des chaussures, on t'a ciré les souliers gratuitement, maintenant, ils sont éclatants, et tu es ravi. Très bien. T'as gagné 3 points de bonheur. Ouais. Parce qu'on t'a ciré tes bons. Oui. À toi. À moi. Donc ça ressemble un peu à un jeu de société. Oui. Hop. 5. Donc un point de bonheur, je crois qu'on passe. Donc là, là des clochettes, la malchance. Ah bah pareil, clochettes et joie.
En secouant l'arbre de la vie, j'ai trouvé des clochettes, des meubles et de bons fruits juteux. Quelle chance. Donc tu vois, de l'argent et du bonheur, ouais, pour le coup. Du coup, le dimanche est passé, nous sommes le lundi 2. Autour de Marie. Quatre. Alors, du coup, si je vais... Ah, je peux plus choisir. Bah non, parce que c'est une direction qui est déjà prise. Une amie à qui tu as parlé de ta fatigue récente t'a offert une plante propice au feng shui. Feng shui, mais... Tant d'attention, ça fait du bien. Plus 3. À toi. Es mio. Max. Donc ça me fait vraiment penser à un jeu de société, hein. Bah oui. Mais du coup, il n'y a pas de petit jeu. Il n'y a pas de mini-jeu ou il y aura des mini-jeux tu sais. Oh non. Max. Non. Aujourd'hui, tu n'as pas été en colère du tout. Tu te sens un peu triste quand tu n'en reçois pas. Abusé. Mardi. Mardi 3. Attends, il fait nuit du coup. 2. Malchance. Oh, oh, pas non. D'argent. Tu as rencontré un artiste errant qui avait faim et tu lui as acheté à manger. Il faut savoir s'entraider. C'est trop gentil. 400. Bah ça va, il cher le sandwich, hein. Ouais. Pardon, je me demandais ce que c'était. Pourquoi tu touchais ma main? Je me demandais ce que c'était. Et qui est en train de m'écraser mon pouce? Je me demandais ce que c'était. Non mais ça va, tape-moi si tu veux. Eh ben je vais là-haut. Je vais avoir encore de l'argent et du bonheur. Alors que tu fredonnais sur mon avis des passants ton prix pour un artiste. Ils m'ont balancé de l'argent. Moi je pense que t'aurais balancé des tomates, hein. Vas-y, à toi. Ah oui, attends. Oh, ah, visite de Cathy. Bonjour tout le monde, cette ville a l'air super rigolote, alors je suis venue m'amuser. Ah, la collecte des cartes, elles sont nos cartes, elles venez jouer avec moi sur les cases événements vertes. Si vous avez tous une case, vous pouvez échanger une de vos cartes contre d'autres. Si vous n'avez pas de cartes, vous pourrez jouer en gagner une en jouant au jeu avec Cathy. Ah, il y en a plein partout. Peut-être que t'es tombé dessus. Hop. 6. Eh ben non. Oula. Bah, à gauche. Vas-y, on joue à deux. T'as pêché. Une limonde. Ah oui, limonde, c'est Pokémon. On a trop joué Pokémon. It's my turn, Maxi Bestoff. 4. On va essayer le jeu de Cathy ou pas? Non, des sous et du bonheur. Tu as joué à chat et réussi à attraper tout le monde en un éclair, une récompense. Un joli tas de clochettes. Genre, ils me donnaient l'argent parce que je les ai attrapés à chat. Ouais. C'est abusé quand même. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Oui, et le 5 il pleut. Ah! Visite de 6 boulots. Ah oui, 6 boulots, c'est ça. Chaque jour, il y a des gens différents. Donc là, on n'est pas tombé sur... Cathy, elle est partie. Elle était là un jour. Tu vois, là, par exemple, si jamais on tombe dessus, bah, on a un sketch de 6 boulots. Pardon, ça ne nous intéresse pas. N'en dites pas ça, s'il vous plaît. Ah, il nous offre une carte, par contre. Et tous les jours, ça change. Tous les jours, ça change, en fait. Ouais. Ah, ça, c'est pas mal, par contre. Du coup, ça fait changer le jeu un petit peu. Est-ce que tu es tombé sur 4. Une... T'as pas le choix. Oui. Oh. Ah, yes. Tu vas avoir un... Ah oui, c'est un tampon comme ça. Genre 5 points de bonheur. Non, mais je suis arrêté à 27, je suis à 22. Si tu rassembles tous les tampons, tu gagnes un bonus de points de bonheur. Ah, oh non. Ah ouais, non. Dommage. Tant pis. Tu étais la 10e cliente de la journée à la boutique Mini Melo, alors tu as reçu... Ah bah, Mini Melo, c'est le fils de... Enfin, c'est le neveu de Tom Nook, non, c'est pas ça? Si, je crois, oui. Il faudrait que je tombe dessus, ce serait bien. Faut que tu fasses 2. Oh, 6. 6 c'est... Ah. Bah, oh non. Bah, à gauche. Hein. Ah non, dans tous les cas, c'est de malheur. Bah, je perds des sous. C'est pas grave. Bah, t'en as plein. Perdre des sous que du bonheur. Ah bah, bravo, hein, Goinfre. C'est bien toi, ça, hein. Et du coup, j'ai perdu de l'argent parce que j'ai acheté un gâteau du bonheur. C'est quoi, oui, ce jeu? Cabinet de voyance. Oh, toi qui cherches le bonheur. Alors, ta destinée peut changer en dans... voyant mon cabinet. Viens me voir sur les cases événements vertes. Si on tombe sur une case, elle tire gratuitement une carte de tarot pour prévenir. D'accord. Et qu'est-ce qui peut nous prévenir comme avenir dans un jeu?
Je ne sais pas. Un jeu où le principe c'est de tomber sur des cases. 6 toi aussi. 6 aussi. Ah! Ah bah voilà. Oh! Oh! Je tire une carte. Oh, esprit, oh, destinée. Miaou! Bienvenue dans mon cabinet de voyance. Moi, Astrid, je vais lire ton avenir grâce au tarot. Il y a concentré tes souhaits sur la carte de tarot qui se trouve sur le plateau. Oh, esprit, oh, destinée. Miaou. Ah oui, c'est le pad. Regarde là où c'est posé. Ah oui. Touche une des cartes. Pas deux. Confirmé. Et le numéro 2, c'est... Oh, mais c'est... Genre... Sous le règne de l'empereur qui a accumulé une grande fortune, le peuple prospère lui aussi. La carte 4, l'empereur, représente la chance dans le domaine financier. Pendant une semaine, chaque fois que quelqu'un fera un 4 au dé, tu gagneras en fortune. Genre... Ah, c'est bien, ça. C'est abusé. Donc, en gros, si je fais 4, tu gagnes de l'argent. Ouais. Sans rien faire. Ouais. Comme ça, bien. Tranquille. Posé dans ton canapé. Entière. Ah bah merci, oh non, mais tu genre comme par hasard quoi. 400 Ouh, je gagne même pas autant. Oui, je vais avoir un tampon. Pendant 4 jours. De quoi? 4 jours. Toi ton truc, c'est 4 jours si je tombe sur un 4. Ah, je chante, je suis content. Tu as mis à jour ton blog perso et reçu des visites et de nombreux commentaires du rêve star de net. Oh ouais, bah ouais, ça bah, va. C'est ça. Nickel. C'est bon, ça me va. 3 points de bonheur. Par contre, j'ai plus de points de bonheur que toi pour le coup. Oui, et t'as plus d'argent aussi. Attends, il y a peut-être quelqu'un qui avait arrivé. Ah oui. Ah, celui Runar Karnak. À la carte. Runar, celui Karnak. Salut les amis, j'ai l'impression que vous êtes mal occupé là. Désolé pour le dérangement. Je vous propose une jolie collection de cartes, bien utile, à prix avantageux. Il y en a pour tous les goûts. Si j'ai piqué votre curiosité, faut pas hésiter à passer me voir sur une case événements verte. On peut acheter des cartes utilisables. Ah oui, donc l'utilisation en gros, de cartes coûte des clochettes ou des points de bonheur. En gros, ça coûte. Les cartes, si on en gagne, ça peut permettre de faire des actions pendant un certain tour. Ouais, comme la carte que t'as en fait. Ah bah, tu vas pouvoir en acheter. On va voir sa boutique. Mais c'est toi qui as tout en plus. Ah, ça se trouve, c'est cher. Salut l'ami, bienvenue chez Runar à la carte, ta boutique du vieux Runar. Ici, tu trouveras plein de cartes étonnantes à un prix défiant toute concurrence. Foie de Runar. Alors l'ami, ça te dirait bien de t'offrir des cartes. Vas-y, avec plaisir. Alors. Mais attends, on sait même pas combien ça coûte. Crois-moi, c'est. Mais non, ça va être marqué 100 clochettes. Oh, ça va. C'est pas cher. Offre Emilia un article. Je regarde Wii U. Alors, pour connaître son effet. Alors, il y a une carte porte-bonheur. Quand le nombre de. Ah non, mais écoute. Quand le nombre de vos points de bonheur est négatif, oublie vos soucis, faites place au bonheur. Donc, si jamais tu dis un négatif, tu gagnes. Permet d'avancer de 1 à 6 cases au lieu de changer. Ah oui, au lieu de lancer le dé, c'est pas mal ça. Mais c'est cher. C'est 500. C'est à partir de ça en fait. Permet d'avancer de 2 cases, de lancer le dé permet d'avancer 3 cases. Bon. Bon, je vois. Ça ? Ouais, le premier. T'es obligé d'acheter au pire. Hein. Oui, bah tant pis. Bon, ouais, c'est des cartes qui permettent de. Vous les voyez pas, c'est sur le pad, mais ça permet de. Et hop, voilà la marchandise, donc vous allez le voir. Pour 10 clochettes seulement. Non, 100. 100 c'était ? Oui. Et acheter. Tu as tous les remerciements du vieux Runar. Une carte que si jamais Kim tombe dans le négatif au niveau de ses points du bonheur. Et bah, je serai en positif. Oui. Allez, Maxi. Oh non, mais c'est une blague. Je me prends deux trucs négatifs, t'en as toujours pas pris un, toi. Si, j'en ai pris. Tu lis un peu fort et en frappant sur les rochers avec ta hache, elle s'est cassée. Oublie, je n'en rachetais une. Moins 400. Ça fait mal. Ouaf. La bourse du navet ouvre lundi. Ah oui, le navet. Ah, donc c'est vraiment... Ouais. Du coup, dimanche, tu vas voir personne. Ah si. Bah si, il y a le mec des navets. Ah bah oui, c'est le dimanche. Et le dimanche prochain, on va pouvoir revendre après les navets, je crois. On peut investir, en fait. La grand-mère qui vend des navets depuis 60 ans, eh bien, c'est moi. Bon. Je vais vous apporter un petit cadeau. Voici quelques navets que j'ai fait pousser avec amour. Cool. Oh, yes. Vous pouvez vendre ces beaux navets juste les jours ouvrables. Leur prix est pas la même selon les cases. Le secret de la fortune, c'est de les vendre à un prix élevé. Mais attention, après une semaine, ils pourrissent, alors il faut les vendre avant dimanche. Ah oui, c'est ça. Je les vends. C'est si on en veut plus. Ouais. Oh. Vas-y, bah j'en prends. Moi j'achète. Non, moi. Ah oui. Moi j'en prends. C'est par 10, hein. 10. Donc, 800. T'en as déjà 10, hein. Bah non, ouais, moi, mais je vais me faire de l'argent, moi. Je vais en revendre. Merci bien et bonne chance à tous. Et donc, on doit les vendre cette semaine. À chaque tour, faut qu'on voit si ça vaut le coup ou pas de les vendre. Ouais. Par exemple, là, est-ce qu'on peut voir. Tiens. Ah, les cartes que tu as tenues. Ah oui,
Mais en fait, attention, chaque carte a un coût d'utilisation qui varie en fonction du type de carte. En gros, si tu lances la carte chance, ouais. Enfin, je pense pas que tu puisses. Non, tu peux pas. Non, mais je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. 6 plus 1. Bah, le tampon. Ah non, en haut, c'est négatif. Bah, c'est négatif. Oh, tu vas perdre de l'argent. Mais tu vas déjà avoir un deuxième tampon alors que moi, je suis même pas. Tu passais devant la Camille photo alors que tu en profitais pour changer la photo de ta carte de résidente. Lol. Moins 500. Chéros la photo quand même. Autour de Max. Allez, Max. Mais c'est pas possible, j'avance pas moi. Ah, tu me rejoins. Oui, et moi je gagne. Tu as décidé d'ouvrir au public ta salle de sport improvisée dans ton salon. Quel monde et quelle belle opportunité de faire des affaires. Comme par hasard, c'est des King Kong. C'est 600 des gorilles. Je suis riche. Tu vois, je me fais acheter mes navets. On est lundi. Donc là, on va pouvoir commencer à vendre. Je demande votre attention. La bord du navet ouvre ses portes aujourd'hui même. Oui. Vous pouvez vendre vos navets au prix indiqué sur les cases sur lesquelles vous arrêtez. Il pourrait au bout d'une semaine. Ah ouais, donc faut vraiment les vendre. Où en est le cours du navet? Fluctuant. Donc ça progresse. Oh la vache! Si tu tombes sur des cases, y'en a, tu peux le vendre 350. Mais du coup, t'es obligé de les vendre? Pas forcément. Mais t'aurais dû en acheter. Regarde, tu peux les vendre 200 et quelques, là. 252. T'auras en acheté 80. Mais tu as surtout vendu pas mal de matériel. What? 950. Et là, du coup, je peux vendre... Ouais, bah ouais, vends. Ouais, allez, je vends. Bah tout. Ah bon? Bah ah ouais, c'est par l'autre 10. Oui. Bon, allez. Là, j'aurais dû en acheter plus. En fait, la technique, c'est d'en acheter plein, alors. Mm. T'as 4800. Allez, vas-y. Et moi, je vais tomber sur une case à 30, tu vois, c'est génial. Bah t'es obligé de les vendre, hein, tu peux le vendre au prochain. Ah, merci! Ça fait 4. Mais c'est une blague! Mais c'est pas possible. J'ai plein de sous. Ah bah, oh, voilà. Nom des dieux. Nom de Dieu. 200, ça dure. Ouais, tu vas te faire de l'argent. Je vais te faire de la marmaille. Je vends. Ah bah, vends tout, hein. J'aurais pas plus cher. Bim, regarde-moi ça. 9700. Je suis riche et on a plus de navets, par contre. Il va falloir acheter des navets. Autour de Marie. Du coup, on a ouvert aussi Kéké et Tom Nook. 4. Ah bah, 4. Ah, je crois que c'était un autre joueur. Non, c'est toi aussi. Un petit tampon. Ah bah c'est le mec du bistrot. Oui. Fais oui comme si tu savais. Oh, ah oui non, c'est bon. Tu as accepté de servir de esthéticien, tu ne vois pas trop la différence, mais tu as reçu tes clochettes, c'est tout, toujours ça. 300. Bah t'as 9700, t'as rien. Bah moi j'ai investi. Quand même. J'ai du mérite. C'est de bonne mérite. Est-ce qu'on va finir cette partie? Bah 30 minutes. Ah oui, il y a des comptes, c'est ça. Il reste 15 minutes. Bah, je vends pas, hein. Faut que t'avais par contre, le pad il est au milieu. Ah oui, pardon. Happy, happy. Tu as convaincu une amie de suivre le même cours par correspondante que toi et tu as reçu un cadeau de parrainage. 500. Wow, 10 000 clochettes et... Faut voir, en fait, à la fin... Jour du double D. Cool. Le 11-11, c'est le double D. Écoutez-moi bien, aujourd'hui, c'est le jour du double D. Vous pouvez lancer 2 dés à la fois. En plus, si vous faites un double, vous obtiendrez des points bonheur supplémentaires. Le jour du double dé ne tombe que le 11 et le 22 de chaque mois, alors profitez-en. Waf. Vas-y. Ah, 10. J'ai peur. Oh non, mais un 4. Encore un 4. Genre, je fais un double 4, il y a 800. Ouais. Bah, tampon. Bah oui. Yeah. Toi, 35, donc heureusement qu'on a vendu. Hein. Tu as eu la bonne surprise quand t'as dit que tu avais perçu des intérêts. Ouh. C'est la fête. Ça augmente. À toi, Max. T'es prêt? Tu le sens, là, le double? Regarde, le double 6. Double 4. Non, si je fais un double 4, c'est abusé. Un 4, quand même. C'est abusé. Genre, t'as gagné combien? C'est vrai, t'as gagné moins 4000? Non. De l'argent. Tu as vendu fruits, poissons, insectes et vêtements pour te faire un peu d'argent de poche par ici les clochettes. 1480. Je suis riche. Donc on a la moitié, quasiment. Ah non, c'est au 15. Oh, tu m'étonnes de la partie, heureusement qu'on a mis 30 minutes. Alors remarque, on a la moitié, on va peut-être avoir le temps de finir. Allez, vas-y, vite. 5. Faut se brouiller, on aura peut-être pas dû mettre de temps en fait. Tant pis, on fera pour le prochain épisode, on mettra pas de temps.
Ouais, tu es passé au village témoin et tu as vu de très jolies maisons, tu as même reçu de l'argent. Pour avoir répondu à une enquête. 100. La carte de tarot ne semble plus faire son bim. Effet. En même temps, c'est un peu abusé tout ce que tu as gagné avec. Alors... Allez, go max. Ah, bah voilà mon tampon numéro 2. Alors que moi, j'ai le numéro 3. Oui. Et plus 10. Voilà. Et de l'argent. T'as eu un. Oh, c'est nul, la chachar, ça vaut rien. 105. Génial, je gagne 1500 après 150. Quoi. Sur la une case, pareil. Nous sommes le 13. Oui. Allez. Crac du navet. Oh là là, le cours du navet est en chute libre. Oh, heureusement qu'on s'est bon vieux. Personne n'en avait. Ouf. Ah oui, la vache. Ouais. Ah oui, c'est que c'est en fait quand il se passe un événement. Quand il se passe un événement, ça fait. Ça, en fait, au début de la semaine, le cours il est fixe et après, quand il y a des événements, ça baisse ou ça baisse. Ouais. Oh, tu vas avoir le troisième tour. Tu as demandé une grande créatrice de notes de passage à ce que les pensées t'ont eu. Ça va, génial. Et ça va, ça va ma chérie. Je vais avoir un tampon. Je vais l'avoir avant toi. Sûr et certain. Vas-y appuie. Ah non. Maintenant tu vas pas l'avoir avant moi. Tu as pêché plein d'ordures, le recyclage a coûté cher, mais maintenant la mer est plus propre. Oh, t'as contribué à l'écologie. Ouais, c'est ce qu'on dit. Qui c'est qui arrive? Ah, docteur Ciboulot. Allez, on peut passer ou pas? Non. Oui, merci beaucoup. Encore des sketchs, si on tombe sur la case verte, on sait déjà. Ah oui, c'est vrai qu'il nous donne des cartes. Est-ce qu'on va tomber sur les cartes sketch? Tu vas avoir ton troisième tampon? Oui. 5. Du coup, tu as gagné 15 points de bonheur. Ouais. Yeah! What? Tu as vu combien tu gagnes quand tu as tout? Je trouve que tu gagnes 50. Oh non! La toi du passé t'a envoyé une lettre sur la le toi. Sous où elle t'envoie des factures à régler, donc tu t'es occupé sans tarder. La toi du passé. La toi du passé, j'avais pas compris. Moi non plus. Allez, Max. Oh, six. On avance. Mais c'est une blague. Moi aussi, arrête pas de tomber. Tu as voulu prendre une photo, mais tu avais tombé dans l'appareil, tu vas le faire. Oh, ça va. Ça va, c'est pas très cher. Hein. Oh, 200, les factures quand même, étaient hein. plus chères. Hein. La semaine est passée si vite, j'espère que vous obtiendrez de nombreux points de bonheur dans les jours qui viennent. Ah, les navets, moi j'en achète plein. Hein. Personnellement. Ah mais attends, ça fluctue. Ouais, combien il y a? Ouais, mais justement, ça s'est écrasé. Oui, non, moi j'en veux. Moi aussi. Acheter. Moi je vais me ruiner. Je le sens bien. Je vais plus avoir d'argent. Toi aussi tu prends? Oh, la petite joueuse, quoi. J'en ai pris 110. 110 navets. Si je tombe sur une case où ça vaut 10, je suis mort. Ouais. Faut que je tombe sur une case où ça vaut plus que 80, sinon je perds mon argent. On va savoir, de toute façon, demain. Oh, 1. C'est bien, ça avance. Ouais. 110 navets, ah ouais. Je vais faire une bonne marge. Et un nouvel habitant était perdu, alors je lui ai donné un plan, il était soulagé, ça fait plaisir de se rendre utile. Utile et pas cher. À toi. It's my turn. Allez, Max. Oh, six. Encore, on va arriver au tampon. C'est ton troisième? Ouais. Tu as organisé une session de jam avec ton groupe, c'était un bon entraînement et un vrai moi, plaisir. Moi, j'aime bien le Nounours. Le Nounours, il est trop mignon. On est lundi. Combien? Et le lundi, le cours on peut... stable. Oh, y a pas... c'est pas oh, ouf, c'est pas hein. Beaucoup, hein. On aurait dû acheter au début à mort. Ouais, c'est pas beaucoup, tu gagnes quand même. Et regarde, tu tombes sur une 168, tu gagnes quand même le double. Hein. Hésite, au pire, t'es pas obligé de le vendre tout de suite. Hein. 149, hein, c'est quand même quasiment le double. Hein. Tu fais le double de ton argent sans rien faire. Moi, je vais en vendre un petit peu. Je vais vendre la moitié. Oh là là, pour être sûr de récupérer ton argent. Je vends. Tu peux en vendre la moitié puisque tu peux en vendre que par 30. J'en vends 30. Oh là là, comment tu récupères ton petit argent? Oui. Là. Trop flip. À toi. Trop de flip. Moi, je risque. Je vends pas à 146. Vous êtes fou. Vous êtes fou, monsieur. Mais vous êtes fou. Oh, oui. Tu as reçu pour mission de dessiner un t-shirt original qui représente la ville. Bien sûr, tu as été payé pour tes efforts. Oh. Quoi? Po. Non. Nous allez, 17. Le cours du navet explose.
Crash. Heureusement que j'en ai vendu un petit peu. C'est une blague. Ah bah voilà, t'as vu, heureusement que j'en ai vendu un petit peu. Mais c'est fait exprès, c'est pas possible. En violet, c'est inférieur à ce qu'on a acheté. J'aurais dû tout vendre, tu vois. À chaque fois, je me fais... Non, bah non, je vais attendre. Non, faut que j'aille par là. Au pire, c'est pas grave, j'ai perdu, j'ai beaucoup. Même si ça fait d'humeur, faut que j'aille par là. Pour avoir le dernier. 40. Non, c'est pas possible, faut aux pas vendre. Aux actions, je t'ai visé, mais tu n'as pas réussi à répondre à une question. Ah, ça va, j'ai perdu que deux clochettes. Bah, comme d'hab, quoi, tu réponds jamais aux bonnes questions. Non, je veux pas les vendre. T'es sûr? Vends-les, on sait jamais. Allez, mon tampon là. T'en as acheté 110. Ouais, mais attends, ça va remonter, je suis sûr. 15. Eh, je passe devant toi en point de bonheur. Ouais, de 1. Je peux les vendre 97, mais. Tu as pris un petit boulot dans une usine, ça payait bien, mais tu ne sais toujours pas ce que cette usine produisait. 2000. Ça, c'est Guillaume. Non. Non, ça va. Regarde là, regarde. Explosion du marché du navet. Regarde, il va l'annoncer. Oh ah, non, mais Cathy, on sait ce qu'elle fait. Elle fait quoi déjà, elle? Oui, avec les cartes. Oui, bonjour, salut Cathy. On va jouer aux cartes, tu tombes sur mes cases, ouais. Blablabla. Voilà. Et il n'y a pas de changement du niveau du navet. C'est la merde. Oh là là, j'aurais dû arrêter sur 90. Salut, moi c'est Cathy. Non, je ne suis pas perdue. Je voyage seule et je collectionne les cartes des différents visages que je traverse. C'était drôlement sympa de se voir. On échange les cartes avant de se séparer. J'ai une carte plus 5 cases. Ouais, vas-y, mets. Oui, moi. Bon. C'est vrai, génial. Quelle carte veux-tu me donner? Carte pour bonheur, vas-y. Les cartes pour bonheur, parfait. Eh bien, merci, échangeons. Elle est contente. Ouais. Super journée, c'était sympa de discuter avec toi. Je prendrai bien soin de la carte que tu m'as donnée. À la prochaine. À la prochaine. Veux-tu vendre tes lames? Non. Bon, oh, si, 44. Pardon, allez. Toi. Allez, il reste 6 minutes, faut qu'on finisse. Mais c'est une blague, je fais que des 1. Ouais, vas-y, une carte. Ah bah non, mais je m'en fous de sa carte, j'en veux pas. C'est une caca, sa carte. J'en veux pas. J'ai pas de carte, de toute façon. Salut, moi c'est Cathy, je voyage, je collectionne. Blablabla. Oui, j'ai pas de carte. Ah! Bien, allons-y. Je tiens une carte pour commencer. Plus grand. Plus grand, allez. 6. Oh là 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 là. Allez hop, allez, au revoir. Ouais, bah, très bien, je suis énormément amusé aussi. Est-ce que tu veux vendre tes... Non, je garde mes navets, je te dis là. Eh, tu peux me souhaiter un bon anniversaire. On est le 19 novembre. Ah oui. Ah bah oui, c'est ton anniversaire aujourd'hui. C'est vrai qu'on l'a pas dit dans la vidéo. C'est l'anniversaire de Kim, donc faut envoyer plein de... Bon anniversaire Kim. Bon anniversaire. Bon anniversaire. 90. Tu as oublié que tu voulais participer au marché aux puces automnales. Tout ce que tu voulais vendre était à la poubelle. Oh le seum. Ouais. Non. Ah bah tu devrais. Hein. Ah bon? Bah 99 c'est plus gros. Hein. Mais on est que... Ah ouais, on est jeudi. T'en as que 20 toi. Bon allez, je vends. On aura plus que moi. Abusé. Putain de l'argent. Voilà. Allez boy. Fais un 6. Mais non, mais c'est... en même temps, comment tu veux que j'ai les tampons? Je tombe toujours sur derrière les deux. Guillaume Mirage. Tu as reçu des clochettes pour avoir partagé le rêve de ta vie, l'institut. 5000. Très bien. Merci. 11000. T'imagines si tu revends tes trucs, combien t'as? Bah j'ai... Oui, mais tu revendras au prochain. J'ai 5000 de plus. Allez, explosion du marché du navet. Visite d'Hélium. Mec du musée. C'est pas mec du musée, c'est mec qui trouve pour te récompenser. Avec les badges. Ah oui, ça. Si vous voulez une récompense, venez voir sur une de mes cases. Ça rapporte des points d'honneur, c'est le dessin qui en décidera. À moi. Très bien. Explosion du marché. Non mais y'a pas des... C'est mort, je me suis fait avoir au bout du premier jour. Quoi. Ouais. Yeah. Et j'espère que tu vas pas avoir mort de points de bonheur quand même. J'aurais pas, 20, moi j'ai pas pense. Le temps. Il reste 4 minutes. Génial, tu as rassemblé tous les tampons, ta collection est complète, tu gagnes des points de bonheur en plus. 30. Oh là là. Yeah. Et du coup, je reçois... Tu vas passer à 100 points de bonheur. C'était les soldes d'automne aux Galeries Carla, rien de voir de ces produits liés, tu t'es sentie importante. N'importe quoi. Allez, Max. C'est vrai que quand tu vois des trucs qui valent cher, tu te sens important. Ah. 5. Bah tu vois.
devrais vendre. Tiens, tiens, bienvenue à tous. Alors, ça vous plaît le jeu plateau que vous puissiez offrir? Décidons à la roulette. À moi. Oh bah en même temps, t'avais la moitié. C'est moi qui suis tombé dessus, c'est normal. Ah oui. Vas-y, c'est à moi que je vais donner une récompense. Il va me donner quoi? D'accord. Tu veux pas de navet, c'est bien qu'on y aille comme ça. Bon courage à tous, je viendrai vous encourager. Est-ce que tu veux vendre tes navets? Non, je le sens pas. Nous sommes le 21 novembre. Mais oui, c'est samedi, je les vends. Non, mais je les vends, je me suis trompé. Tournoi de pêche. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le tournoi de pêche. J'accepte toutes les espèces de poissons. Celui qui pêchera le plus gros sera déclaré vainqueur. Alors sortez vos cannes à pêche et essayez de faire la plus grosse. Nuke. Toutes les cases deviennent des cases à pêche. Si vous tombez sur une case d'or ou d'argent, vous pourrez pêcher un gros poisson. Vous recevrez des points en fonction du classement. Que des pêches, cases pêche. À moi. Oh, abusé. Ah oui, c'est vrai que c'est argent. Où? Ça c'est bien. Un carassin, n'importe quoi. Allez, à moi de gagner là. Mais arrête de faire. Mais t'as fait tomber, t'es sur l'argent. Ah, t'es obligé de revendre. Oh, c'est bien ça. Une carpe koi. Ah, ça vaut super cher, mais surtout que. Oui, je vends tout, je suis obligé. T'as perdu ton argent. Non, j'ai perdu pas grand chose. Ouais, qui a gagné? Bah toi. C'est toujours fort. En troisième position, avec un baby de 12 cm. Rosie. Jep. Bravo, je n'attendais pas moins de toi. Ensuite, à la deuxième place, avec un carassin de 18 cm. Kim. Marie. La prochaine fois, je t'attends à la première marche du podium. Et enfin... notre grand vainqueur, avec une carpe coille de 64 cm. Max. Max. Oui, faut que tu vendes tes navets. Mais ils sont vendus, c'est bon. Non. Ils sont vendus automatiques, le samedi, ils vendent en automatique. Ah. T'as vu, j'ai 20 000 de pièces. Mais non, c'est 2000, c'est ta récompense. Non, t'as pas vu. Bien, à présent, je vais remettre à tous les concurrents leur point de bonheur mieux que nous. Oh. Pas mal. Et voilà, félicitations à vous tous, applaudissez encore très fort nos participants. Je vais avoir le temps d'avoir ma carte. Nous sommes le 22 novembre. Ah non, moi j'ai pas de navette, de toute façon ça sert à rien. Ça va finir dans une minute. Bah, c'est si on... Ce que le temps peut passer vite quand on s'amuse, si vous hésitez, vous pouvez encore jouer 10 minutes de plus, ça vous plaît, ça vous dit, waf. Allez. Ouais, allez. Quand même, faut qu'on gagne honorablement. J'aurai donc la limite de temps de 10 minutes. Allez. Bon, la vidéo sera plus longue, c'est pas grave. Soit on fera qu'une partie comme ça. Bien le bonjour, je me permets de vous interrompre encore une fois. Qui dit dimanche, dit porcelet. Ouais, du coup, on peut racheter des navets. Ouais, moi j'en rachète. Je vais en prendre comme la dernière fois. Ouh, tu risques un peu là quand même. Hein. Oh, un petit joueur. J'ai rien gagné quasiment. Je suis plus risqué qu'autre chose. Merci bien et bonne chance à tous. Et comment ça pouvait être 300 au départ? Et là, quand on a pris moins, bah ça va être explosion. Jour du double D. Double D. Votre attention, s'il vous plaît. On est le 22, qui dit 22, dit jour du double D. N'oubliez pas, si vous faites un double, à tous les points de bonheur supplémentaires. Bonne chance. Ouf. À toi. Avec Marie. Oh, 11. Pas moi que t'as plus le temps pour avoir, mais... Non. De l'âge, hein. Ouh, pas mal. 3000. Pas mal, hein? Ouais. Ça rembourse tes dépenses. À toi. Ah! Oh! Bonus double D. Ouais, 4, c'est pas mal. C'est mieux que rien. Oui, en haut. Ouais, mais tu... Non, en haut. Faut que j'y cherche le temps pour moi. Oui, mais tu vas perdre... Tu as prévu d'aller voir toute dernière projection d'un film et tu t'es levé trop tard, dire que tu avais acheté ton billet à l'avance. Pas grave. On l'avait déjà fait. Ouais, c'est Crac. Oh. C'est une blague. Nous venons de recevoir l'activité boursière. Aïe aïe aïe, c'est la crise cette semaine, la bourse du navet est touchée par un crack. Le prix du navet est au plus bas sur l'ensemble des cases. Essaye de viser les prix les plus élevés pour limiter les pertes.
compte à rebours. Jour à rebours. Jour à rebours. Écoutez-moi, ouais, c'est le jour à rebours. Tout est inversé, la direction dans laquelle vous recevez. Ainsi que les effets des cases. Oh, on peut pas connaître le prix du navet à l'avance. Oh là. Donc en gros, elle dit, je vends ou pas mes navets? Allez, je vends. Et toi, du coup, c'est compromis pour ton tampon? Bah non. Oh, je vends pas. Tu as perçu sur la plage un marin joué, tu as essayé de réveiller. Moi, je peux vendre. Allez, vends. Non. Tente le coup. Non. Allez, petite joueuse. Ah, 76. Ah non, merde, j'ai mis je vends. T'aurais dû, hein. C'est non, le crack boursier, hein. Oui, bah justement. Mais y aura, ça va peut-être pas remonter, hein. Oui, mais demain, on aura les prix. Ah oui, c'est inversé. Bah oui. Vas-y, appuie. C'est un faux. Mais c'est un faux. Ah, c'est énorme. Oh. Oui, mais oui. Ouais. Ouais, tu vends tout? Allez, je vends. Je suis un ouf. 97, je vends. Il gagne 850 fléchettes. J'ai remboursé mon tableau. J'ai même pas acheté de tableau en plus. Ah, cabinet de voyance. Cabinet de voyance. Oh, toi qui cherches le bonheur. Oui, bah, plus. On a dit toujours la même chose. Viens me voir sur les cases, je te donnerai une carte de tarot au hasard, blablabla, blablabla. Ah, t'avais un 100, si tu fais 1, tu peux avoir 100. Ah, dommage. Mais du coup, je repars dans le bon sens, là. Tu vois, t'aurais dû prendre la 76. En plus, je perds de l'argent. Tu es allé t'amuser sur une île tropicale, tu t'es laissé emporter par... je t'ai acheté une tonne de sous. C'est toi, ça. Ouais, bon, allez. Oh, oh bah, je vais perdre. Et alors? Ah, t'avais bien 85. Mais arrête de faire des 1 et des 2, je l'aurais jamais mon tampon. En visitant une maison de moi, j'ai trouvé une super chaîne Wi-Fi, j'ai commandé. Oh, mais il y a un problème dans le jeu, c'est pas possible. Je perds 4000, après je perds 2500. Ah, attends, mais cuisine. Visite de dindou. Dindou le dindou. Dindou le dindou. Bonjour, je me présente. Bonjour, je suis dindou. Cuisinier officiel de la. Soyez-vous suffisamment sympa. Pour m'aider à rassembler les ingrédients nécessaires, ouvrez grand vos feuilles de chou. Voici la liste. Paquet de farine, champignons maigres, vivano. Vous pouvez m'apporter ça si vous ne connaissez pas Glougou. Aujourd'hui et demain, en vue de la fête des récoltes, toutes les cases deviennent des cases ingrédients. Travaillez ensemble pour rassembler tous les ingrédients. Non, je travaille pas avec toi. Je veux gagner. Vivano, ah ouais, il y a d'accord, super. Ah, il faut qu'on prenne tout. Ouais. 4. 4, 4, 4, 4 cadettes. Oh, t'as de l'argent, ouais. Vas-y, prends, non, non. Ah non, je peux pas. Mais non. Bah si, parce que je peux vendre mes navets. Ah, j'ai déjà. Ah oui, c'est trop bien quand même. Comme ça, je peux vendre mes navets. Ouais, mais t'aurais eu 5 de bonheur. Ouais. Je vends. Oh, la petite joueuse. La petite joueuse. Voilà. Là, je vais faire encore un 3. Allez. Ah, t'as bah si, t'as eu des champignons. Je m'en fous, j'avance pas. J'aurai jamais mon tampon. Je suis complètement truqué. Minutes. Ouais, mais il reste pas beaucoup de jours. Bah, ça, il reste 5 cases. Allez, faut qu'on travaille ensemble. Faut qu'on ait les bons ingrédients. Ouais. Il reste un vivano et un citron. Vas-y, appuie. Ah oui, le citron, c'est 15. Allez, allez, glouglou. Allez, glouglou. Sinon, sur le citron, je joue plus. Oh non. Bon, bah, on a perdu. Mais tu en as déjà. Ah, c'est... Et si on réussit à faire la recette? Bah, on a perdu. Ah non, tu bah, pas. Bravo. Bah oui. On a perdu à cause de toi, en plus. Bah, et toi, vas-y. Bah, je vais avoir le vivano. Bah, vas-y, prends le vivano. Regarde le magnifique vivano. Ah oui, oh, oh les beaux la champignons. Blague. Et au prochain, t'as le tampon. On en a pas réussi. Ouais. Alors, donne-moi dans mon honneur. Eh bah, tiens, tiens, allez chercher tout seul la prochaine fois. On est bah, il faudra jouer à 4 en fait. On est mieux servi. Non, mais à 4. Oui. Au pire, on peut jouer à 4 amiibo. Hein. Ah, mais ce sera plus, beaucoup plus. Vas-y. Ah, il va faire un truc quand même avec ce qu'on a ramené. Allez, du coup, c'est à toi. Oui, je lance le dé. Et. 3. Et comment j'utilise ma carte, moi? Ah, bah, tu l'utilises avant de jouer. Ah bon? Tu as perçu un ballon auquel était attaché un paquet, mais tu n'as pas réussi à viser avec ton lance-pierre. Adieu, cadeau. Genre, t'as le seum parce que t'as pas eu le cadeau. Pas cadeau. Pas cadeau, et pas cadeau. Et moi, je vais gagner. Je vais gagner.
car je récupère 30 points. Du coup, on est à égalité en points, sauf que j'ai plus d'argent. Ouais. Et qu'en plus, je tombe sur une... Talala, papa. Et je tombe en plus sur une case qui donne... Ouais, mais t'as Ah non, je veux pas. J'en veux pas. Il reste 3 minutes, allez, au revoir. Non, merci. Qu'est-ce que tu dis? Allez, salut. Et j'ai rien gagné. Et nous sommes le 28 novembre. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Oh non, on s'en fout. Allez, va-t'en. C'est que tu peux cliquer aussi, ça détecte les clics. Oui, au revoir. Non, t'es moche. T'es très très moche. En plus, avec ta moustache là. Pousse-toi. À moi de jouer. Au tour de Marie. 5. Oh là là, dépression. Ah non, ah bah tiens, on va voir un sketch. Merde. Ouais. Je me suis fait... Merci, je suis le seul unique. Tu as eu la chance de tomber sur une de mes cases. Je vais te faire un car sketch. Quel sketch vas-tu tenter? Que la roue tourne. Ouf. Le sketch du 1D. Non, je pense que c'est 1. Le sketch numéro 1. Tada! Le numéro 1. Autrefois, j'étais souvent numéro 1. Comment numéro 1 de quoi? Eh bien, de. Du classement. Dis Maurice, les moins drôles. C'était pas drôle. Trop bien. Au revoir. Au revoir des N. Une carte 1, forcément. Génial. C'est une carte plus 1 case. Plus 1 case. Tu dis 1 case? 1 case. T'as un petit problème à ton cerveau, alors. Allez, Max. 2. Oh non, mais ça me saoule, là. Je m'en fous de ça. Deux fois que je tombe sur le truc. Non, mais c'est une blague. C'est moi, ça. Mais non, bébé. Oui. Mais tais-toi. Merci. Ouais, pi. Six, le catch numéro 6. Du coup, tu vas avoir un D6. Allez. Bah. Depuis que je suis venu derrière, regarde, je suis... Attends. Sur le sel, hein. Et oui, tout ça. Le ciboulot, l'homme au ciboulot. Mon Dieu. Ça, c'est nul, par contre, hein. J'ai gagné une pierre. Non, ne dis rien. Si, j'ai dit c'est nul. Allez, boy. Pour cette fois, le grand ciboulot te remercie. Allez, il reste 2 jours. 2 jours. En 1 minute, je sais pas si on va avoir le temps de finir. Oh oui, non, mais on s'en fout des navets. Bah non, du coup, non. Non, bah. 103 clochettes en plus, oui, sûrement, oui. Non, merci, non, merci, merci. Confirmé. Personne ne veut me débrouiller. Bah non, c'est la fin du mois. Et du coup, là, comme c'est la fin du mois et qu'on n'a pas pris, bah ça va valoir une fortune. Tu penses? Ouais. Bah tu verras lundi. Vas-y, vite. Il reste 30 secondes. On va exploser. Oh non, ça a malchance. Ah non, si je vais à droite, non. Oh. Tu as Oh. 2000, oui. Oh. Bah t'as plus d'argent que moi et t'as plus. Ah non, j'ai un peu plus de. Oh. Ça, c'est méga serré. 3. Oh. Ah, tu vois, t'as de l'argent. Extra. Oh, 2400. Oh, yes. Bah, c'est fini. Stable. Oh. On finit quand même par la partie. Oh, c'est bien. C'est le jour de notre merveilleuse partie, Wap. J'aimerais que vous profitiez de cette journée. Ah non, je suis éliminée quand même. Bah, il reste un jour, heureusement. 6. Je vais faire ça. Oh. Tu as trouvé des clochettes? Plus 3 et 500, mais ça non, va être t'as plus d'argent. Serré. Ouais, mais combien ça équivaut? Ouf. Oh, c'est trop nul. 500. Bah, mais ouais, mais t'as 3 points. Hein. Qui a gagné pour cette longue partie? Ouais. Pour la qu'on joue à 4. Quel suspense. Ouais!
ce Amiibo Festival. Des nouveaux costumes. Attends. Faut mettre max. 151. Et t'as vu, tu bloques des costumes. Ah ouais, bah t'as pas eu... Bah on testera dans la prochaine. Ouais. On fera des mini-jeux. Parce qu'en fait, il y a des mini-jeux avec les cartes, faut savoir. Et je pense qu'on fera des mini-jeux dans la prochaine vidéo. Ça changera de ça. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Dire ce que vous pensez. Donc nous, on aime bien. Nous, on aime bien. C'est peut-être un petit peu long comme partie pour deux. Faut voir ce que donnent les mini-jeux. Il y a 8 mini-jeux. Donc faut voir à quoi ressemblent les mini-jeux. Si ce sont des vrais mini-jeux ou des petits mini-jeux. Faut voir. Faut qu'on regarde comment ça rend. Et du coup, on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo de Game et Kim. Allez, salut. Salut.